à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on pense à la dernière fois, enfin plus ou moins, étant donné qu'on se retrouve exactement 3 ans après la dernière vidéo. Et première chose, pourquoi j'ai fait ça, je ne vous ai pas montré ces 3 ans. Première raison, la guerre pour Jérusalem, mais comme je vous ai promis, on avait participé, donc le temps de rassembler mes troupes, toute ma flotte est ici, toute mon armée est ici. Deuxième raison, j'ai hérité de la Hongrie. Ça a l'air d'être banal ceci, mais j'ai quand même hérité de cette partie-là et de tout ça grâce à Hongrie, donc j'ai quand même récupéré énormément de territoire. Et je me suis dit, mieux vaut que je garde ça, vous n'avez pas perdu grand-chose, il n'y a pas eu énormément de guerre entre-temps. Donc vous n'avez vraiment rien loupé, je me suis occupé de tout ce qui était succession et petite rébellion. Et j'ai eu beaucoup de revendications. De par le fait que j'ai récupéré ça, j'ai quelques revendications un peu en Italie. Ici, j'ai eu énormément de revendications que j'ai eu entre temps. J'ai une revendication sur le royaume de Croatie, sur le royaume de Pomme et quelques revendications sur certains duchés du Saint-Empire. Donc j'ai beaucoup de revendications. Je crois qu'il y a une revendication ici, ici, ici. Bon, j'ai pas mal de revendications. Et dernière chose. Avant-dernière chose, j'ai complètement refait mon host. C'est complètement un host de cavalerie lourde. 18 000 hommes. Et la seule raison en fait que j'ai pas recommencé, pour être honnête, c'est que j'ai eu un bug magnifique. Quand vous voyez une technologie, vous voyez, vous avez 33% de chance que ce soit technologie militaire, civile ou économique qui augmente de 50 points. Et le fait, c'est que ce message-là, j'ai eu un bug, c'était que je pouvais cliquer autant de fois que je voulais sur ce message-là, j'avais toujours en fait. Donc j'ai abusé de ce bug, et voilà, en abusant de ce bug, je vous dis ce qu'il y a, j'ai complètement augmenté mes technologies, j'ai abusé, et pour ceux qui ont ce bug là, ça peut arriver aussi avec l'argent tout ça, le seul moyen que c'est de sauvegarder, d'arrêter et de recharger. Donc je connaissais déjà ce bug là, ça m'est déjà arrivé une fois, c'est méchant, mais je profite d'un bug, je sais. Et ça, je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais je préfère utiliser un bug pour qu'on ait de belles guerres, plutôt que ça soit ennuyant à mourir. Donc on reprend, on s'est arrêté, ou je m'étais arrêté, donc, à Jérusalem. Nous avons déjà envoyé la première armée. Imprévisible, maintien moral, défense. Attendez, combat d'ennemis religieux, très bien. Et une chose que je vais aussi vous montrer, la décadence. En fait, tout ce qui est décadence, c'est le revenu de domaine moins 19,7% et moins 66,3% tout ce qui est argent. C'est moral. Donc en gros c'est un gros malus moral, faut dire ce qu'il y a, et c'est ça en fait qui va faire en sorte que je vais gagner quand même cette guerre, faut être honnête. Et hop, on va augmenter la vitesse. Et une raison aussi pourquoi j'envoie qu'une de mes troupes, c'est que j'ai envie. Ouais, j'envoie la deuxième armée, non. Je sais qu'une armée. Il y a une immense armée de à peu près de 20 000 hommes ici. Je le sais, je l'ai vu, l'armée de 20 000 hommes. J'ai envie qu'ils m'attaquent cette armée-là et que je vienne après avec mes autres troupes dessus. Bien évidemment, je vous ai dit que j'avais remis toutes mes troupes du royaume. Tout le royaume de Hongrie, j'ai pris les troupes, mais j'ai pas pu en prendre de partout. Hein, ces troupes, honnêtes. C'est bizarre, une part de bataille que je participe pas. Allez hop, j'y vais aussi personnellement, maintien de morale, défense, boum, et cette fois-ci nous allons commencer à prendre les terres qui nous reviennent. Ah, t'as un dieu, dis ça. Et ma partie
participation et de 2%. Je crois que ceux qui participent le plus pour l'instant ont fait une bataille, mais ça va très vite changer, je vous rassure, hein. Voilà, vous voyez d'un coup. Ah. Okay. Je vais te m'éduquer quand même. Mais je sais pas donner à ceux contre les remparts d'Aska. Là, je suis devenu un croisé. Comté orthotonique, c'est toi. Bah, en fait, là, il y a beaucoup de comtés qui sont donnés à l'orthotonique. C'est un autre qui s'est créé entre temps. C'est la seule chose que vous avez loupé, il faut être honnête. Mais franchement, c'est pas grand chose. Vous tapez sur internet orthotonique, vous aurez plein d'informations sur eux. Alors, je suis en train de tout conquérir, mais. Bon, en fait, il faut une bataille. Si je veux... Barcelone, après Croatie, après Moshuga. Ah, donc Barcelone. En fait, pour tout ce qui est croisade comme ça, c'est la personne qui participe le plus qui récupère à la fin éther. Donc c'est pour ça que je suis vraiment quelqu'un qui fait gaffe à ça. Que faut pas déconner. Attends, on va déjà te remettre des... Ah, alors, mais là, il n'y a plus de troupes. Et ils sont en train de perdre leur avantage qu'ils avaient dessus. Pour l'instant, je suis en train de participer beaucoup plus qu'eux. Faut dire aussi, vu les armées que j'envoie, je pense que c'est normal que je la gagne. Hein. Qu'on gagne cette guerre. Hein. Je contribue. Ah tiens, un nouvel enfant. Mais je cherche toujours ces 20 000 hommes quand même. Moi je sais ce qu'on va faire. On va maintenir les sièges, on va pas forcer les sièges, on va rester sur les trucs de siège. Ça rapportera des pourcentages. Comme ça. Toi t'as réussi, donc après... Hop. On va réveiller les troupes ici. Ah bah parfait, ils s'en occupent de ce travail-là. Et je vais récupérer ma cavalerie lourde.
Et aussi, je vous ai pas montré, mais je peux créer Empire de Cartapia, mais je vais pas le faire, étant donné que si je crée, c'est un empire de base qui a pas assez de trucs là, étant donné que c'est un empire païen, donc je perdrai tout ce qui est autorité de la couronne, et ça me posera après problème pour tout ce qui est loi quand même. Et créer un empire, puis après le détruire au titre, t'as pas ce moyen. On va pas se voiler la face, ça passe vraiment moyen. En 23. Ouais, je suis en train de monter, vous voyez, Barcelone est en train de tout perdre à mon profit. C'est quand même beau. On va accélérer quand même. Et ici. Ouais. Et là, pour indication suivante. Ah mince, c'est à moi ça. Je mets un truc ce qui est sur moi. Je vais fabriquer une rotation chez moi. Je suis complètement débile. Voilà, je vais vous montrer à peu près. Bon, vous voyez, là maintenant, c'est ce bug. C'est vrai que j'ai complètement exploité le bug. Je vais pas vous mentir. Certains n'apprécieront pas le fait que j'ai exploité le bug, mais moi, j'ai envie de leur dire. Si vous voulez pas que j'exploite les bugs, qu'il n'y ait pas de bug. Tout simplement. T'as bien une pote pas utiliser les bugs, mais bon, quand que je vais bugger. Hein. Et là je suis à 24%, le duc de Barcelone. Voilà, maintenant on regarde ça. Voilà. Voilà, vous comprenez maintenant. Donc le meilleur moyen pour gagner des pourcentages, hein, laissez le temps faire. Vous restez en siège. Oh, vous forcez pas, vous restez juste en siège. Ah, vous faites le siège. Vous gagnez des pourcents comme ça très facilement. Là vous constatez que je suis déjà... Je suis devenu premier. Voilà. Bon. On va ramener les troupes en France. Ouais, je vais forcer quand même un peu. Ça commence à être long. Ça veut dire vraiment que c'est un jeu de croisade et... Et voilà, c'est qui? Rome, puisque la couronne n'est pas détenue par un bon dirigeant. Sort pour l'instant, empereur Abel I de France. Et vous voyez que je contribue de plus en plus. Barcelone est en renvoyé des troupes, mais... sont battus en retraite en même temps. Ah, mon chancelier est mort. Bon, on va peut-être plutôt continuer ici. On va récupérer ce... Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins notre croisade se passe très bien. Ah tiens, Ortotonique aussi est parti. Grand maître teutonique, ouais.
Allez, hop. Il est temps de démolir ce qui reste ici. Je pense que... Oui, ouais, 32%. On va dire aussi que j'ai quasiment tout capturé. Donc, il est logique que je récupère quand même un peu les mérites de mon travail. Hein. Mais bon, avec la première armée d'Occident, si vous perdez cette guerre-là, c'est quand même qu'il y a un petit problème. Voilà. On a gagné la quatrième guerre. Croise réussie pour Jérusalem. Jésus a accordé la victoire à l'empereur Hébreu 1 de France dans la croix contre le calife. Nanana. Pape Jean-Paul I a ordonné un mois de célébration à travers tout. Louions Jésus. Voilà. Et voilà. Vous comprenez mieux, je pense. Toutes ces armées-là sont démobilisées. Étant donné que c'est... Quand vous démobilisez des troupes dans votre empire, ou n'importe où, hein, tant que c'est chez vous, toutes les troupes qui appartiennent à vous, et qui sont enlevées dans vos... Bah, enlevées chez vous, retournent directement à l'endroit où vous avez... Comment je peux expliquer tout simplement? Je vois que mon explication est complètement foireuse. Hébron. Si vous préférez, vous pouvez quand vous démobilisez des troupes chez vous, les troupes retournent là où ils étaient d'avant. Voilà. Je pense que c'est une explication plus simple, moins farfelue. Mais par contre, j'ai récupéré quand même un sacré nombre de propriétés. Et ça, c'est Jaffa. Acre de mémoire, c'est ça. Tire. Alors, je vais expliquer aussi en même temps pourquoi je donne pas mes titres de royaume. Beaucoup de personnes conseillent, quand vous êtes en poids, de donner vos royaumes à des personnes en dessous. Je trouve pas que c'est une mauvaise idée en soi, étant donné que, par exemple, si vous donnez le royaume de Jérusalem à Jérusalem, vous cliquez à un endroit, vous levez toutes les troupes de Jérusalem d'un coup. C'est pratique. Mais, faut savoir que les 4 gars avec vos rois, ça marche sur vos vassaux directs. C'est-à-dire que j'ai le droit à 80% quand l'autorité est absolue sur mes vassaux directs de leurs troupes. Or, considérons qu'un roi a déjà l'autorité à 80%, et que moi, je redemande encore 80% de ceux, se dire qu'au final, je suis perdant, que si ça serait dans 80% sur mes ducs et mes comtes. Donc si vous préférez, je perds des troupes au final, en faisant... juste deux secondes, côté de Jérusalem. Donc au final, je veux dire que je perds des troupes si je fais de cette technique-là. Étant donné qu'au final vous avez moins d'hommes. Certes, c'est plus facile de contrôler ces personnes-là. Mais au final vous avez moins d'hommes. Donc c'est un peu du pour et contre. Tout dépend vraiment de comment vous voyez le bordel. Moi je vais donner mon réel. Parce que... Attendez, on va déjà Galilée, créer. Non, puis on va pas créer. Ici, on va créer Aska et usurper contre. Voilà.
Et je suis roi de Jérusalem, de Jérusalem, c'est ça. Donc maintenant, on va donner accorder titre foncier duché de Jérusalem. Quelqu'un l'a vu? Oui, tu vas inclure tout ce qu'il y a dedans. Sa technique en fait quand j'ai pas envie de me faire chier du tout en fait. Ensuite, duché d'Outre, je vais accorder à qui? Allez, à toi. Voilà, ensuite, évêché ici. Duché d'Ascalon. D'Ascalon, tu récupères tout ce qu'il y a dedans. Et le dernier. Duché de Galilée. On va donner à Tyr. Allez. Voilà. On constate qu'on a fait une très belle guerre et maintenant. Vous pouvez pas. Vous voulez pas me les racheter? Si. Attendez. Attendez. Attendez-moi. Je veux pas. Bon. Bon bah, s'ils veulent pas, bah. Bon, voilà, ça c'est déjà une belle guerre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après une guerre? On rassemble les troupes et on repart en une nouvelle guerre. Et oui! Après une guerre, une deuxième guerre, bien évidemment. Attendez, il faut pas rigoler. Donc, elle va m'embêter. Donc après, on... Ici, je vais me mettre moi-même. Or, maintenant... J'étais un croisé, je crois. Plus 2 en Marseille quand vous êtes croisé, voilà. C'est quand même pratique. Il faut savoir que... Bon, les croisades, c'est quelque chose de courant, hein. C'est comme les croisades dans le monde chrétienté, c'est courant. Et en face, c'est les djihad. C'est vraiment quelque chose de très très courant. À cette époque-là, en tout cas, hein. Mais ça montre bien qu'il y a quand même un problème, et actuellement, ça se voit aussi. C'est qu'entre-temps, les religions sont plus devenues pacifiques. Là, ça se voit bien que la religion catholique détestait complètement les musulmans et inversement. Ça illustre bien quand même un problème de situation quand même à cette époque-là, étant donné que normalement... Waouh. Ah mais orthotonique là, ça suffit là. Eh mais ils ont fumé quoi? Et faut savoir, bon, sa troisième croisade en fait qui fera vraiment prendre Jérusalem au nom de la chrétienté, après on la reperdra. Mais ça sera pas uniquement quand même... Moi personnellement, je vais être honnête avec vous. Je considère que c'est vraiment quand même se foutre de la gueule du monde quand même ces croisades. Foutre de la gueule du monde étant donné que c'est tuer pour tuer, je suis désolé de le dire ça comme ça, mais c'était tuer pour tuer à cette époque. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas un bon fidèle, bon allez hop on vous tue. Attendez. C'est quoi ce bin, désolé de dire ça comme ça, mais il n'y a pas un petit problème quand même là? D'accord, j'ai plus de troupes ici. Faut être honnête, c'est... Je vais faire perdre 10... C'est... Voilà, c'est pas le problème des croisades en lui-même, c'est le problème de ce qui est devenu par la suite des croisades. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui suit pour les croisades, mais bon. À l'époque, hein. Après, on va dire c'était pour l'époque. C'était des guerres entre les deux parties. Bon, très bien, très bien, très bien. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, hein. Pas se faire exposer. Mais, actuellement... Là, c'est justement,
je fais un amalgame entre ce qui se passait à l'époque-là et actuellement. La religion n'a pas évolué. Ok, les religions n'ont pas suffisamment évolué. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui ne suis pas croyant, donc faut pas croire que je suis contre les musulmans, tout ça, non. Je fais un constat des religions actuellement. Et il y a quand même un problème. Faut être totalement honnête avec vous. Il y a de plus en plus de problèmes de religion. Et on peut pas nier ça. Je suis désolé, on peut pas nier le problème que les religions sont. Il y a de plus en plus de problèmes. Une religion. Et là, je vais faire une grande comparaison entre la religion islamique qui a, je trouve, beaucoup moins évolué que la religion catholique. Il faut savoir qu'initialement, l'église catholique regroupait l'église orthodoxe et l'église catholique actuelle ne formaient qu'une seule et même église. Donc, vous aviez. Ça, c'est gagné. Donc, vous aviez vraiment. Beaucoup de catholicisme. Attendez, on va mettre les religions. Donc tout ce qui est orthodoxe était aussi catholique à l'époque. Donc l'Empire byzantin était catholique. Puis il y a une séparation des églises, très bien. Et il y a suivi des guerres. Bon. Il y a fallu du temps, mais l'église catholique a à peu près reconnu l'église orthodoxe. Par la suite, l'église catholique va connaître beaucoup de problèmes religieux. Notamment, là c'est un fait avéré, lorsque les protestantismes vont arriver, tout ça. Je ne reproche pas ce qu'on fait protestant, loin de là. Il est chanté. Bon. Très bien, ils reviennent après autant de temps. Et de nouveau des guerres de religion. Et quand je dis guerre de religion, c'est vraiment des belles guerres de religion qu'on va vivre en France, en Europe. Et enfin, faut être honnête, l'église. Ça va vraiment être divisé en deux parties, l'église un peu traditionnelle catholique et les protestants. Et ce qui va se passer, c'est que à la fin, en France, ça va finir par un truc vraiment. Ça va finir par un truc tout bête. Sous Louis XIV, les protestants n'existent plus officiellement. On considère que les protestants ont rejoint l'église catholique. Plutôt, c'est plus ou moins faux. Hein. Et. À cela se rajoute aussi que on va connaître la Saint-Barthélemy en France et d'autres la Saint-Barthélemy et d'autres massacres. Hein, ça c'est un exemple de massacre. Au final, la France et d'autres pays européens vont connaître énormément de massacres. Et ça va faire que la religion va énormément changer. La chrétienté, en tout cas, elle va devenir beaucoup plus tolérante qu'à l'époque. La chrétienté va autoriser les protestants, va les reconnaître. Alors que là, c'est juste une constatation. Que si on compare maintenant cette église là, on la compare à l'église islamique, à l'islam, on constate que l'islam n'a pas connu d'autant de bouleversements historiques que ça. Et actuellement, ça, on s'en rend compte extrêmement, étant donné que on constate que c'est pas rare qu'on applique encore des religieux. Comment je peux dire ça? Je veux pas vexer les islamiques, j'ai rien contre eux, mais je. J'explique bien qu'il y a quand même une grande différence entre tout ce qui s'est passé. Hein. Il faut savoir que je pense que la religion islamique évoluera dans le bon sens. Parce que actuellement, je suis désolé, mais je trouve pas encore qu'elle ait vraiment évolué depuis en deux, trois siècles, même on peut même parler de millénaire. Hein. Du Moyen-Âge aujourd'hui, je trouve que la religion n'a pas trop évolué de leur côté. Et. Je justifie ça étant donné que la religion, je pense que les gens qui sont religieux comprendront ça, c'est que la religion évolue avec tous les problèmes qu'elle aurait connus durant son existence. La religion catholique est devenue extrêmement affaiblie, faut être honnête. Elle est plus aussi forte qu'à l'époque du Moyen-Âge, faut dire ce qu'il y a. Et la religion catholique va aussi connaître autre chose. Toutes ces guerres vont aussi faire en sorte que l'église catholique n'aura quasiment plus de pouvoir au bout d'un moment. Et ça va aboutir sur le fait que l'église catholique actuellement, elle sort, bon, c'est pas une église si faible que ça, je dis pas le contraire, mais elle a perdu de sa superbe. Les occidentaux sont quand même beaucoup moins croyants qu'à une époque, or que les musulmans,
vous êtes resté extrêmement croyant. Et ce que je reproche justement à cette église-là, c'est bien beau d'être croyant, mais ça fait pas tout, je suis désolé. Vous pouvez être croyant, ça ne me gêne pas, mais l'église doit techniquement évoluer avec le temps. Or, on constate bien avec la religion islamique qu'elle n'a pas évolué avec le temps. Là, vous ne pouvez pas me dire le contraire, la religion islamique n'a pas évolué comme elle a dû évoluer. Il n'est pas encore rare de voir dans des pays islamiques que les femmes n'ont pas le droit d'exercer de métier. Les femmes, c'est à la maison et c'est tout. Vous allez me dire, non, mais c'est des cas exceptionnels. Certes, je dis pas que c'est tous les cas pareils. Hein. D'accord, dans des cas, c'est des trucs exceptionnels. Mais mine de rien, c'est quand même extrêmement courant. Et on entend dans les pays occidentaux aujourd'hui, je suis désolé, je vous rappelle encore des faits récents, et pour vous sur la vidéo, le fait que qu'on pousse des dictateurs, qu'on les enlève du pouvoir, là je fais référence en printemps arabe que quelques années, et qu'à la place on ait les dirigeants qui vont remplacer ça, c'est des personnes complètement islamiques qui pensent à réinstaurer la charia, vous appelez ça changer le monde? Attendez, vous foutez de moi ou quoi là? Non mais honnêtement, vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Ouf, génial. Je suis désolé, c'est pas normal. Je vais peut-être me montrer extrêmement méchant, mais vous n'avez pas évolué. Si des peuples comme ça qui appliquent des lois que je suis désolé qui ne devraient pas exister, prêts à priver tout le monde et que personne ça... Heureusement, ça sidère quand même les gens. C'est ça qui me rassure, ça évolue quand même. Mais que des personnes quand même réussi à arriver là et qu'a fait autant de... et qu'ils ont quand même été élus. C'est-à-dire que les gens, ils ont quand même eu... Et après, ils les ont chassés parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'ils faisaient. C'est qu'il y a un problème derrière. Moi, je considère, et ça, je dis niet, la religion ne devrait pas interférer avec l'État. La religion n'a pas interféré avec l'État. Je suis désolé de dire ça. Il y en a peut-être qui vont mal me regarder. Il y en a peut-être qui vont détester ce que je viens de dire. La religion n'a pas à intervenir avec l'État. À chaque fois que la religion a intervenu avec l'État, à chaque fois c'était des bains de sang. La différence, c'est que les bains de sang, on les a connus en Occident, le monde arabe a été plus ou moins épargné. Je dis pas qu'ils en ont pas connu, loin de là. Mais niveau bains de sang, je pense que les Occidentaux ont eu ce qu'il faut avec la religion, et d'ailleurs c'est une des grandes raisons pourquoi la France n'a plus jamais voulu voir la... La France ne veut plus tout entendre parler de la religion au niveau du pouvoir. Ça, c'est quelque chose de catégorique. On a tellement subi par la religion catholique, on a tellement eu de bains de sang à Saint-Barthélemy, par exemple. Ça, c'est vraiment le plus bel exemple qu'on peut donner de massacre en France à cause de la religion. Voilà, on a suffisamment connu de bains de sang pour au final aujourd'hui se rendre compte que la religion a porté énormément de problèmes. Après, vous soyez croyant, ça me gêne pas. Je reproche pas aux chrétiens d'être croyants. Hein, là. Je veux dire, chacun... Je suis pour le principe de laïcité, donc ça me gêne pas. Mais à côté de ça, faut comprendre que la religion change en fonction du temps, en fonction de ce qu'elle a subi. Et la religion islamique a beaucoup moins subi, je suis désolé de le dire, j'ai pas envie que vous preniez mal, mais a beaucoup moins subi que la religion catholique. La religion catholique a eu suffisamment de guerres, de massacres, et aujourd'hui on peut officiellement dire que la religion catholique a été très meurtrie de ce qui s'est passé. On peut pas me dire le contraire, je suis désolé, on peut pas dire le contraire de ce que je dis là. Mais voilà, c'est... L'évolution a fait que ça s'est déroulé comme ça dans le temps, je suis d'accord. Mais au final,
Je pense que les personnes les plus respectueuses des autres, je pense c'est plutôt les chrétiens comparés aux islamiques. Je ne dis, il y a toujours des contre-exemples, j'avoue. Mais niveau les personnes extrêmement religieuses dans ces deux camps, je pense que les chrétiens sont plus respectueux, les orthodoxes aussi. Parce que on a connu à cette guerre, nous. On a connu des décennies de massacres, de guerres, de catastrophes à cause de la religion. Et à force d'avoir connu tout ça, je suis désolé. Quand on connaît autant de choses et aussi souvent, les mœurs changent. Ça, c'est une réalité. On a suffisamment connu de bordel comme ça pour savoir que la religion n'est pas du tout la même. D'or ici. C'est bizarre. Donc, attendez, 2 secondes. Arrange le mariage matrilinéaire. Plus tard. Vers ça. Donc, comme je dis, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème qu'on a en France et dans d'autres pays d'Europe. Il y a une immense xénophobie envers les étrangers, ça se peut se comprendre. Notamment envers les musulmans. Le fait que qu'on vous aide à construire des lieux de culte, ça me gêne pas du tout. Vous avez le droit d'avoir vos lieux de culte. Mais, faut comprendre une chose aussi, c'est que votre religion, là, je suis désolé de le dire, est beaucoup moins tolérant et beaucoup moins respectueux des droits des hommes et surtout des femmes que la religion chrétienne. Il y a toujours des personnes, faut dire ce qui est taré, qui foutent la merde, extrémistes, voilà, j'ai trop aimé exact, il y a toujours des extrémistes, quelle que soit la religion. Toujours. Et il faut dire aussi ce qui est, c'est un peu notre lot quotidien, ça, avoir des quand ça paye main, j'oublie le nom. Ah ah ah. Bon, vous m'avez compris, j'espère. Et actuellement, je pense que si pour que ça aille mieux, je pense qu'il faudrait que les islamiques adoptent beaucoup plus de textes du genre fin à la charia. Première règle qui est plus de charia. Je suis désolé. C'est contre leur religion, je sais. Je sais ça. Mais je suis désolé, c'est aussi contre. Ah, j'arrive pas à l'expliquer ça. En clair, on va résumer ça facilement. Tout ce que n'a pas connu la religion musulmane comparé à la religion catholique, on fait que la religion catholique... Déjà pour un atelier... Des gros trous. La religion chrétienne a subi beaucoup plus que la religion islamique dans le temps. Et cela fait que la religion catholique est devenue beaucoup plus tolérante qu'à la religion islamique à la fin. Et aujourd'hui, je suis navré de le dire, cette tolérance fait que la religion catholique est beaucoup plus évoluée, je suis dit. Là, je vais être, certains peuvent être méchants, que certains vont peut-être pas apprécier, mais beaucoup plus tolérant et beaucoup plus évoluée que la religion islamique actuellement. Il y a toujours des gens bons, quelle que soit la religion, il y a toujours des belles choses, quelle que soit la religion, c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a aussi toujours le fait que la religion... Ceci, ça se déroulera toujours, c'est que la religion ira bien tant que... Il
C'est quelque chose de vrai, ça, après tout. Hein. La religion évolue en fonction de ce qui arrive. C'est tellement courant, ça aussi. Donc voilà, c'est... J'ai dit ce que j'en pensais de la religion, honnêtement. Et encore, j'étais gentil, je pense que la religion peut exister, mais pour être totalement franc avec vous, je pense que si la religion n'existerait pas, j'aurais vraiment moins d'envie. Ah mais ça, y a pas à dire. La religion a tellement causé de tort à tout le monde qu'aujourd'hui, je pense qu'il devrait pas y avoir de religion. Totalement. Voilà, c'est... Bon, bref, c'est... C'est pas forcément la plus belle chose que j'ai dit, mais... Moi, vous m'avez compris. Petit et partage salique. T'as deux secondes. Oh, il est pas en partage salique. Donc voilà, on va finir cette rébellion là et on va arrêter cette vidéo. Bon. Voilà, je vous ai donné mon point de vue que j'avais sur l'église. Enfin, plutôt sur les églises et sur la religion en général. Et au final, j'ai envie de vous dire une chose, que vous soyez croyant ou que vous soyez pas croyant, il est important de respecter tout. Il est important d'accepter les autres, d'accepter leur religion, d'accepter ce qu'ils font. Voilà, et pour ça, bah, je suis désolé, faut parfois aller sévir pour que les personnes comprennent. Voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère qu'en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et que mes commentaires vous auront toujours fait plaisir. En tout cas, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.